Bon, salut tout le monde. Encore un essai BMW R90. Alors, ouah, le beau bébé. Ah ouais, c'est un cardan, ça claque pas. Salut. Oh, j'ai passé là. Oh putain. Oh le monstre. Oh, oh, oh. Et elle est douce. Punaise. Putain, c'est le feu, c'est le feu. Putain, je pensais que je l'ai passé à travers la plaque d'égout. Ouh, le frein moteur. Allez, je la passe en 3 celui-là. Putain, position de conduite. J'ai un truc entre les jambes, je vous dis pas. Putain. Oh là là, neutre. Eh, franchement, gardez-moi ce bolide. Elle est trop belle. En fait, t'as pas envie de rouler vite. Elle est grosse. Ça va, elle est grosse quand même. Elle a l'air meuf. Je vais pas dire elle est agile. Elle est putain ouais, elle est rigide. Ouais, c'est un gros bébé. Hein. Et franchement, une position de conduite confortable. Vraiment. Franchement, t'es bien. T'as les pieds pas trop reculés. T'as le grand guidon. T'es en position un peu. Oh, t'es pas en café racer non plus. Faut pas abuser. En, je sais pas, un peu plus qu'un roadster. Putain, mais le frein moteur, putain, même le compteur, il est magnifique. À droite contour, à gauche compteur, en bas à droite du contour, témoin de rapport engagé, conso instantané, odomètre. Alors t'as un menu, t'as la baisse, t'as tout, rétro, poignée chauffante, rétro, warning, oh là 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 là. En fait cette moto c'est une, on dirait une montre de luxe. Bon, je vais tous vous doubler là. En fait, c'est pas une moto où tu t'amuses avec. C'est une moto où tu te fais plaisir. C'est pas comme les petites cylindrées où tu t'amuses. C'est la moto où t'es dessus. Putain, t'es impérial. C'est un autre délire, franchement. Mais c'est un bon délire quand même. Oh là là, oh là là, elle est pas mal. Et le moteur placé en bas, ça reste maniable de ouf quand même. Suspension, sont un peu sèche, on dirait. Belle, ce réservoir énorme, matez-moi ce bordel.
est magnifique. Salut. Ah ouais, tu roules en BM gros. Ben ouais, je roule en BM et je fais signe aux gens et je leur dis bonjour. En même temps, c'est pas la mienne. En fait, c'est pas très sportif. C'est pas comme la Ducat que j'ai essayé, la 821. C'est pas encore pareil. Tu sens que c'est pour les gens qui ont genre, je sais pas, genre 40 ans, qui sont posés, qui sont plus envie de s'amuser, genre faire n'importe quoi. Ils veulent prendre leurs pieds autrement. Allez, une petite accèle. C'est pas dégueu. Avec ma Z, je montais plus de 200 là. Ouah, ça a du couple. Franchement, la fourche et le frein avant, il est pas mal. Hein. On sent qu'il y a du niveau. Le couple. Eh franchement, t'accélères à fond, ça donne de ouf. Il manque un petit échappement quand même. Je suis en 6e. Ah ouais, il y a un mode d'emploi. Mais qu'est-ce que tu branles, on roule pas dans la poussière. Non, elle est vraiment bien, franchement. Suspension, elles sont sèches, mais en même temps, elles tiennent la route. C'est pas des suspensions typées confort, toutes molles. Pour ça, je vais pas dire elles sont sèches. Elles sont confort sportives. Pardon. Ouais, c'est confort sportif. Ça va. Salut. Tant pis, je la laisse passer et elle dort, la meuf.
et j'ai les pieds au sol. Tellement la selle elle est échancrée, j'ai les pieds plats. Franchement ça va, hein. Accessible à tout le monde. Tant que t'as le mode d'emploi. Regarde-moi ça, franchement, qu'est-ce que tu vas faire? C'est une putain de belle moto. Le réservoir il est magistral, magnifique. Les compteurs sont trop beaux. Le guidon, la fourche, le moteur, putain. La boucle arrière aussi, elle est pas mal, hein, tout en alu. La jante, elle est belle. Je sais même pas si je suis sur jante à rayon ou à bâton. Eh, je crois que je suis à rayon en plus. Oh là 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 là. Putain, c'est chaud pour tourner ici. Eh ben, je l'ai fait en deuxième. Bon, j'ai pris l'embrayage quand même. Sinon, je partais droit dans le décor. Hein. Droit dans le décor. C'est pas une expression de vieux, ça. Putain. Oh là 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 là. Eh, le moteur, on sent qu'il ronfle. Mais il est trop bridé par les pots. Regarde là, je suis à combien? Je suis à bas régime. Écoute, de 2 à 3000. Peut-être même 4000. Ça ronronne. Mais après, c'est trop étouffé. Dans les essais, ils disent que le moteur est rugueux. Franchement, putain, hé, là il y a une bosse en vrai, à chaque fois la moto elle part un peu en couille. Et là, pas du tout. Elle est restée droit dans ses bottes la moto. Droit dans ses bottes. Encore une expression de vieux. Eh, j'ai essayé une moto, une BM, une moto de vieux. J'ai des expressions de vieux ou quoi? Je suis contaminé. Dans une pipe. Eh, je suis plus habitué au compteur de vitesse à aiguille. Mais franchement, c'est trop... C'est la vie. Tu te casses pas la tête à regarder, alors c'est quel chiffre ou quoi. Tu regardes l'aiguille, boum, t'es dessus. J'adore les mecs qui mettent leur clignotant au moment qu'ils tournent. Le but, c'est de prévenir que tu vas tourner. C'est pas de dire, t'as vu, je tourne. Bah ouais. Tu tournes, on voit que tu tournes. Top qualité la moto. Tu sens que c'est du dur. Il n'y a pas une pièce qui vibre, il n'y a pas une pièce qui bouge. Tout fonctionne parfaitement. Tout fonctionne très très bien. Je suis amoureux là. Tiens, tu as trop bien la route.